Tu vois, Jeannette, il y a des choses comme ça qui font du mal à entendre. Tu me disais, tu bois trop, Lucien, tu bois trop. Et moi, je rigolais, je m'en resservais un, et puis un autre verre, et un autre encore avec Germain et Sébastien. Oh, purée, qu'est-ce qu'on rigolait quand on était bourré. T'es Germain et Sébastien, je me souviens. Ces deux-là sont partis ben vite. Il y en a un, son foie a gonflé, et l'autre, c'est son cœur qui a lâché. Tu vois, Jeannette, il y a des choses comme ça qui font du mal à entendre. Arrête de fumer, Lucien, que tu me disais. Et moi, je m'enroulais une pour te faire rager. Et le paquet y passait avant la fin de la journée. Je ne t'écoutais pas. J'étais comme un âne. J'étais un benêt, je fanfaronnais. Et tu vois, Jeannette, il y a des choses comme ça qui font du mal à entendre. Tu aimes trop les femmes, Lucien, que tu me disais avec ton air fâché. Tu aimes trop les femmes, Lucien. Et tu te rappelles peut-être, oh, bien sûr que tu te rappelles, cette brunette qui était pas bien jolie, je l'avais arrangée dans un fourré peu cher, c'était bien bon. Mais ça m'a rien rapporté. Je t'avais trompé, ma Jeannette, et on te l'a raconté. Alors tu vois, Jeannette, il y a des choses comme ça qui font du mal à entendre. Je t'ai fait de la peine, ma Jeannette. T'as cassé plein d'assiettes. Tu m'as jeté le livret de famille à la tête. Et tu vois, Jeannette, il y a des choses comme ça qui font du mal à entendre. Puis un jour, j'ai toussé un peu, puis beaucoup, beaucoup trop souvent. Je toussais tout le temps. J'étais fatigué. J'ai vu le médecin qui m'a analysé et qui m'a dit, oh Lucien, mon pauvre, tu es condamné. Alors là, tu vois, Jeannette, à ce moment, il y a des choses comme ça qui font du mal à entendre. Tu as pleuré très fort et pleuré encore toutes les larmes de ton corps. Et moi, je continuais encore d'espérer. Je faisais le mulet, je continuais mes excès. Oh, ça n'a pas duré à peine une année. Puis le bon Dieu m'a appelé. Lucien, Lucien, pour me raisonner, pour que je sois prêt. Je faisais celui qui n'entendait pas, je faisais le sourd muet. Mais c'était pas rigolo. Il appelait plus fort. Lucien, Lucien! Il était en colère, et tu vois, Jeannette, il y a des choses comme ça qui font du mal à entendre. Puis j'ai fermé les yeux, un soir, la tête sur la table, sans m'en rendre compte. Je me suis endormi pour toujours. Mais c'est pas le bon Dieu que j'ai rencontré après ça. C'est son voisin d'en bas que j'ai vu, tu sais, celui qui est mauvais comme la gale. Il y avait là Germain et puis Sébastien avaient des têtes de déterrés. Ils m'ont dit, mon pauvre Lucien, tu es comme nous maintenant, tu es damné pour l'éternité. Alors là, tu vois ma Jeannette, mon soleil, ma vie, je préférais ta voix quand c'est toi qui me le disais. Oui, il y a des choses comme ça qui font du mal à entendre. Maintenant, c'est trop tard. Je ne t'entendrai plus. Pourtant, tu me l'avais dit souvent. C'est mauvais pour ta santé, Lucien. C'est mauvais pour ta santé, Lucien. Oui, ma Jeannette, mon amour, il y a des choses comme ça qui font du mal. À entendre.